Je vais être honnête avec vous, ce sujet pour moi, il est vraiment, vraiment difficile. Mais voilà, il y a des sujets difficiles dont on doit parler et il en fait partie. Et puis finalement, c'est aussi un privilège. Oui, parce que je sais que Dieu entend la voix de chaque enfant qui souffre pour le nom de Jésus-Christ. Et ce qui m'encourage, c'est qu'il souhaite aussi les faire entendre. Alors j'aimerais vous parler des enfants de l'ombre. On dit parfois que la persécution peut commencer dès le berceau. Mais ce que je crois, c'est que la persécution, elle peut atteindre les enfants jusque dans le ventre de leur mère. Je pense à cette jeune chrétienne enceinte qui a fait une fausse couche. Elle était mais tellement stressée. Et c'est à cause de ce stress intense qu'elle a perdu son bébé. Parce qu'elle a vu son frère être terriblement battu à cause de sa foi chrétienne. Je pense également à ces enfants qui ont été victimes d'attentats. Au Sri Lanka, l'an dernier, 14 enfants ont perdu la vie. Le terroriste est arrivé, il a fait exploser cette bombe. Et ces enfants, ils avaient l'insouciance de leur âge. Kevin était en CM1, Peter, il aimait le cricket, Malkia jouait de la trompette, Jackson aimait le basketball. Quant aux enfants qui ont survécu, certains d'entre eux avaient du mal à fermer les yeux parce qu'à chaque fois qu'ils fermaient les yeux, ils voyaient du feu. Je pense également à deux enfants en Égypte dont on a peu parlé. Ils avaient respectivement 14 et 10 ans au moment des faits. Leur papa a refusé de renier sa foi et il a été assassiné devant leurs yeux. Mais vous voyez, toutes ces persécutions, en fait, c'est le haut de l'iceberg. C'est une persécution visible, une persécution qu'on appelle chez Portes Ouvertes la persécution marteau. Certains enfants doivent également faire face à une persécution qui est beaucoup plus insidieuse. Et cette persécution-là, elle s'appelle la persécution étau. Dans cette forme de persécution, la société, mais aussi l'État, exerce une pression terrible sur ces enfants. Dans certains pays, les enfants naissent avec la religion inscrite sur la carte d'identité. Et bien sûr, ils ne peuvent absolument pas la changer. Par exemple, aux Maldives, quelqu'un qui veut choisir une religion autre que l'islam, il devient apatride. Il perd sa citoyenneté. Quant à l'école, dans beaucoup de pays, elle n'est pas simplement le lieu de l'apprentissage des savoirs. Ah non, l'école, c'est aussi celui de l'apprentissage de la persécution. Je vous propose de découvrir la pression que peuvent endurer les enfants au travers de l'histoire de Mina. Il avait 14 ans lorsqu'il a raconté cette histoire. C'est une histoire qui aujourd'hui encore peut ressembler au quotidien de nombreux enfants. J'étais perdu dans mes pensées et je regardais fixement la poubelle à côté de mon pupitre, quand le professeur d'arabe m'a hurlé dessus. Il a crié « Mina !» Même sans nom de famille, ça ne pouvait être que moi. J'étais le seul Mina au milieu de tous ces prénoms musulmans. Mon école était publique dans un quartier pauvre du village et notre salle était toujours pleine à craquer. Les élèves musulmans ne m'ont jamais traité comme l'un des leurs. Ils m'appelaient toujours par des surnoms pour se moquer de moi et de ma religion. À la pause de midi, j'étais tout seul à manger mon sandwich. Je regardais les autres jouer et rire ensemble. J'aurais tellement aimé être avec eux. J'emportais mon cartable, qui était lourd, mais je me sentais honteux et inférieur, et ces sentiments pesaient encore plus lourd. Je savais comment ils me voyaient. J'étais un infidèle à leurs yeux, car j'adorais trois dieux, et je croyais à un livre saint qui était faux selon eux. Je savais que le prof de religion allait mal parler de moi et de ma foi derrière mon dos dès que je serais sorti. Il disait à mes camarades qu'Allah déteste les chrétiens et que les musulmans doivent les détester aussi. S'il voulait faire rire la classe, il me demandait de venir devant et de défendre ma religion. Mais comment j'aurais pu faire ça? Je n'ai que 14 ans. Souvent, j'avais envie de sauter par la fenêtre et de m'enfuir. Non seulement de mon école, mais aussi de ma religion, parce que je n'étais même pas capable de la défendre. Je détestais l'école. Je détestais les professeurs qui m'humiliaient. Je détestais les camarades qui se moquaient de moi. Et avant tout, je détestais mes parents parce qu'ils étaient chrétiens. Je me sentais sans valeur, comme cette poubelle que je regardais tout le temps. Jusqu'au jour où, avec d'autres jeunes de différents villages, j'ai pu participer à un camp formidable. Là, j'ai enfin eu la possibilité de mieux connaître la foi chrétienne. On nous a même dit d'aimer nos camarades musulmans. Ce camp était génial. Mais le moment le plus fort, c'est quand on a joué une pièce de théâtre où la Bible passait devant un tribunal. La Bible était comme une personne. Elle était accusée de crimes qu'elle n'avait pas commis, et elle se défendait contre toutes les accusations. À la fin, elle était reconnue innocente. C'était magnifique. À l'école, ma place est toujours au dernier rang, et je ne suis toujours que Mina. Mais je n'ai plus envie de m'enfuir ni de me cacher. Et quand je me rends à mon cours de religion, je traverse la classe et je suis fier.
Je suis certain qu'un jour, je parlerai à mes camarades de l'amour de Dieu. J'aimerais leur expliquer tout ce que j'ai appris sur ma foi, sur la Bible et sur mon Dieu. Ces enfants ont besoin de nos prières. Ils ont besoin de notre soutien. Vous allez désormais entendre une chrétienne du Tchad qui raconte le quotidien des enfants de son entourage. Je vous encourage, après cette interview, à prendre un temps de prière pour les enfants de l'Église persécutée. Dans le magazine de Portes ouvertes de l'été 2020, vous trouverez plusieurs sujets de prière pour accompagner ces enfants de l'Église persécutée. La persécution est vraiment difficile pour ces enfants. Ils ont des prénoms chrétiens, ils sont marginalisés. Est-ce qu'ils regrettent d'avoir des prénoms chrétiens ? Oui, il arrive que nos enfants rentrent de l'école vraiment tristes et pleurent presque. Ils disent que, bon, est-ce que c'est ça ? Nous serons comme ça marginalisés jusqu'à la fin de notre vie ? Est-ce qu'il y aurait un changement ou bien est-ce qu'on serait considérés comme ça, comme les gens rejetés qu'on doit pousser loin ? Et ils ne peuvent pas, comme c'est la jeunesse, ils veulent aussi avoir la main dans la pâte, participer comme les autres enfants. Mais là, ils se sentent déjà distingués, écartés. Donc, ça fait que quand tu rentres comme ça, c'est pas facile, on les laisse un peu pleurer quand même, mais après on les console, les encourage. Pour eux, c'est des choses passagères parce que c'est Dieu qui détient la vie, c'est Dieu qui décide de ce qu'il faut et ce qu'une personne peut devenir dans l'avenir. Donc, eux, ils ont la chose essentielle. Ce qu'ils ont, c'est ce que personne ne peut leur arracher. Mais ce qu'ils voient là, c'est des choses qui peuvent passer, mais eux, ils ont l'essentiel. Donc, il faut qu'elles montrent aussi aux autres qu'ils ont la clé de la vie. Ils peuvent vivre ici et aussi dans le ciel parce qu'eux, ils sont des personnes à part spéciales. Donc, ça les encourage un peu à remonter la pente. Si cette vidéo vous a interpellé, n'hésitez pas à la partager et à nous laisser un commentaire. Nous les lisons tous. Pour visionner d'autres chroniques plein cadre, vous pouvez cliquer sur la playlist qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos de Portes ouvertes.